Hey, salut les copains, c'est Fido91. Bon, aujourd'hui, un peu spécial, on va faire la révision des 95 000 km du scooter. Nous avons un nouveau record! Alors, je profite aussi pour vous dire que je me suis inscrit au permis A à peu près en fin février. Ce qui fait que là, dans 2 jours, je passe mon code de la route. Et oui, parce que ça fait beaucoup plus de 5 ans que j'avais mon permis voiture, hein, je l'ai en 98. Donc, mine de rien, ça date. Je donne un peu la priorité au permis, sous-entendu que je ne vais pas faire de DO tout de suite, parce que la DO, ça demande énormément de temps. Le peu de temps que j'ai de libre le soir, c'est plutôt pour réviser le code et c'est pas tellement pour faire des vidéos. Si j'ai le code, dès le 1er avril, je commence les cours de plateau. Bon, je vous cache pas que j'ai un petit peu d'appréhension parce que je suis jamais vraiment monté sur une moto. Et là, honnêtement, bon, je sais pas trop comment je vais me démerder, ne serait-ce que pour passer les vitesses. Mais si tu échoues, je te jeterai au crocodile. T'as le droit de faire ça, Jean-Charles, hein? Bon, alors aujourd'hui nous avons un Satellite Peugeot. Ah, il est super protection pour les pieds là, dis donc. Allez, c'est parti. Non, ça c'est pour ouvrir le coffre. Féro. Et voilà, refus de priorité. Ça commence bien, bon matin. T'es de ma gueule. Et en plus ça pile. Je sens même pas l'air. Ni au niveau de la tête. La bulle est quand même assez haute. Bon, je roule pas vite aussi. Il y a Keke Style là-bas devant. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la contresens. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous êtes nouveau ici? Oui, en fait, on vient d'être mis dans le coin. En plus, il grince. Il grince ou c'est moi qui rêve? Je sais pas ce qu'il me fait. Le truc, il grince, quoi. Je passerai pas inaperçu comme ça. C'est moi qui fais un bruit comme ça, je sais pas, y a un frein à main, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Le truc il vibre, c'est normal ça? Je vais le ramener ce truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Le truc il vibre quoi. Ah si, on entend quand même le clignot, hein, il fait bip bip bip. Oh putain la teuf, mais il est trop bizarre ce truc là. Je suis sûr que la roue avant elle doit être voilée ou je sais pas. Votre imagination vous joue des tours. C'est quoi ce délire? Bon, moi j'allais faire un petit tour chez Moto Axe. Bon, ouais, les gars, on va essayer de s'acheter un nouveau casque. Parce que là, étant donné que je commence les cours de plateau le 1er avril, à mon avis, il va quand même falloir que je me décide à changer de casque. Parce que celui-là, ça fait facilement 3 ans que je l'ai. Ouais, je crois bien que ça fait plus de 3 ans, ça doit faire 4 ans que j'ai ce casque. Il y a un truc qui déconne ça, les mecs. Et moi, je roule pas avec ça toute la journée. Hein. Bon, le look, c'est... Non, franchement, moi, je préfère les listards. Hein. Alors, je suis déçu. Ah, je suis très déçu. Ah, c'est le pays du gant par ici. Hein. Bon, je vous montrerai un petit peu après ce que j'ai pris. J'ai fait dans le très sobre, très simple. Je me suis pas cassé la tête. Alors moi j'ai un petit faible pour les scorpions au niveau du casque, tout simplement parce qu'ils ont le système AirFit, c'est-à-dire les petits coussinets d'air qui se gonflent et qui permet de bien épouser la forme à l'intérieur du casque. C'est super pratique. Faire un vlog en AirFit, c'est génial. C'est génial. Tiens, un petit rétro là, monsieur. On va aller remettre son rétro là. Non, attends, il faut que je sois à l'arrêt quoi. Parce que je vais pas y remettre sans rétro si je suis pas à l'arrêt quoi. Quand même, ça se fait pas. Merci madame. Voilà, donc c'est nickel. La dame elle a remis son rétro, tranquille. Voilà. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai acheté aussi mes bottes, les Alpine Star SMX 3. Donc c'est pas des bottes hyper montantes, mais moi je voulais pas de bottes qui remontent trop haut, là j'aime pas trop ça. Les petites bottes avec les sliders sur les côtés, je me suis dit que ça pourrait être bien quand je serai en moto, parce que si j'avais, je penche un petit peu, bon, on verra bien. Vachement bien placé là pourtant.
Ah oui, faut pas se mettre sur la voie de gauche. Triple andouille. Allez. Encore un téléphone au volant. C'est bien ça, madame, faut pas téléphoner au volant. Putain, c'est n'importe quoi. Salut toi. Le petit gamin qui me fait coucou. Ah, je vous jure, hein. En ce moment c'est le festival des bolos. Avec des bolos. Et que ça téléphone au volant, et que ça conduit n'importe comment, et que ça sait pas prendre les ronds-points. Ah, je vous jure. Aujourd'hui j'étais tranquille, je peux me faire de la répression, je suis content, j'ai acheté des équipements. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en plein milieu quoi. Bon les copains, on va aller chercher mon petit MP3 là qui a fini sa révision. Donc je profite aussi pour vous remercier tous les abonnés. La chaîne a atteint un peu plus de 1500 abonnés. Je dois dire que je suis extrêmement fier de ça. Alors même évidemment, si que quand on fait des vidéos, on court pas après les abonnés non plus. Hein. Il faut qu'on fasse ça quand même pour se faire plaisir à soi-même avant tout. Mais quand même, ça fait bien plaisir. Alors je dois beaucoup quand même à d'autres motovlogueurs hein, qui ont fait connaître ma chaîne sur leur propre chaîne. Je pense à d'abord Motard de rue, après je pense à Bike Fury qui m'avait fait une petite dédicace, je pense à Wallan et à Shadow Engine récemment. Shadow Engine m'a fait une petite dédicace sur sa déo, je crois que c'était la 8, si je dis pas de bêtises. À sa demande, donc je remercie énormément parce que le lendemain j'avais déjà pris plus de 200 abonnés d'un coup, et puis mine de rien les abonnés augmentent petit à petit, donc je pense un peu plus vite que si j'avais pas eu ces dédicaces des motovlogueurs que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, je sors du concessionnaire et ben, c'est pas super encourageant tout ça. En fait, parce que le concessionnaire m'a dit que mon scooter, mon gentil MP3 d'amour, commence un petit peu à faire de l'huile dans le filtre à air. Ce qui est un signe de fatigue du moteur. Malheureusement, a priori, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Donc ça veut dire que il m'est fortement conseillé d'éviter les longs déplacements. Et j'espère déjà qu'il va aller jusqu'aux 100 000 parce que là on est à 95 000 des brouettes. Ça veut dire qu'en gros si je veux qu'il aille jusqu'à 100 000, il va quand même falloir que je ménage pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement bah, à partir de maintenant il va falloir que j'ai une conduite plus cool que ce que j'avais déjà, ce qui va être compliqué parce que ma conduite était déjà relativement cool. Donc là il va falloir que j'ai une conduite encore plus cool que cool. Et ben, il va falloir que je conduise comme un papy quoi. En gros. Et ça me fait chier quand même parce que où est l'amusement quoi, mon désir. Bon, comment ça se fait que la petite elle est pas attachée derrière hein? C'est pas bien ça monsieur là. Donc j'ai pris des gants mi-saison parce que bon vous voyez ce gant il y a un trou, l'autre aussi il y a un gros trou. Bon là l'hiver est fini donc c'est pas la peine de racheter des gants d'hiver hein. Les gants mi-saison ça sera parfait. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt les copains. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas faire beaucoup de vidéos là pendant les deux prochains mois parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur mon permis moto. C'est très important pour moi, j'ai pas envie de me planter. Bon ça peut arriver mais on va essayer de tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Déjà à commencer par le code, ça fait 3 semaines que je révise mon code à fond donc il n'y a pas de raison que je l'ai pas. Après le plateau, bon, on va voir ce que ça va donner. Après je reprendrai probablement le rythme des vidéos comme avant. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Je suis toujours aussi motivé pour faire des super déos. Ça va le faire. Allez, à très bientôt les copinous. Ciao.